Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, bonsoir. Euh, bienvenue à la Maison de Culture du Japon à Paris (MCJP). Koubo Abe, aurait tu 100 ans cette année euh, Presque jour pour jour, parce que l'écrivain japonais est né le 7 mars 1924 et mort le 22 janvier 1993, prématurément à l'âge de 68 ans. Ce soir, notre invité, Monsieur Koji Toba. Euh, professeur à l'université waseda euh, va, venu, va nous dévoiler la vie de kobo abe, restant aujourd'hui encore mystérieuse. il va également nous livrer des détails de liens qui unissent cet écrivain à la france. monsieur toba, euh, docteur de l'université waseda, spécialiste de la littérature et culture du japon d'après-guerre, il a publié plusieurs livres au sujet de kobo abe dont le troisième intitulé « Kobo Abe, écrire avec une gomme » sortira prochainement au Japon. M. Toba est un chercheur dont les activités et l'intérêt s'étendent bien au-delà des frontières. Il a notamment effectué plusieurs, plusieurs séjours aux États-Unis, à UCLA, à Columbia et à Cornell, ce qui lui a permis d'être lié avec beaucoup de chercheurs actifs hors du Japon. En fait, la conférence de ce soir inaugure la semaine que consacre la MCGP à, à Koboabe, composée de la projection de neuf films auxquels l'écrivain s'associe. Vous pouvez consulter la, la prévention euh, détaillée par, les, par, par le dépliant que vous avez en main avec ce questionnaire. Euh, quelques projections sont précédées par une présentation de Monsieur Toba lui-même. C'est-à-dire, c'est le mercredi, 17, mercredi 17h et 19h30 et le samedi 19h30. Je voudrais aussi attirer votre attention sur la séance de vendredi soir, qui est la première française de l'Homme ou Boîte. C'est un nouveau film, acclamé tout récemment à la Berlinale. Et pour finir, je vous invite à vous rendre à la bibliothèque qui se trouve au troisième étage de la MCGP ouverte du mardi au samedi de 11h à 18h, le jeudi jusqu'à 19h. Là, vous pouvez consulter l'œuvre complète en japonais de Kobo Abe et ses principales traductions en français. Merci beaucoup pour votre attention. Je passe maintenant la parole à M. Toba. Toba, oui, Pardon. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis donc Cody Toba de l'université Waseda. Donc ce soir, comme vous le voyez sur l'écran, je vais vous parler des liens entre Kobo Abe et la France. Eh ,まあ eh, donc, tout d'abord, je vais vous le présenter brièvement, même s'il si, vient d'être un petit peu déjà présenté. Eh eh, eh eh donc, tout d'abord, Kobo Abe est né en 1924 à Tokyo, puis il a grandi en Manchurie et a étudié la médecine à l'université de Tokyo. Et donc il publie à compte d'auteur un recueil inspiré par Rilke, un recueil de poèmes anonymes, puis il va faire ses débuts avec le roman existentialiste en guise de repère quand est arrêté le chemin. そして芥川賞を受賞した「壁」という小説の前後からシュルリアリスム的な作品に転じたという感じになっています。え、euh,、awa, petit petit そして、そ、まあの後、その後、その後、その後、その後、そのえその後、その後、その後、その後、その後、その後、その後、その後、その後、その後、その後、その後、そし後、その後、その後、その後、そのずそのことをお話し,します。

eh et donc, la Société de la Nuit a été initiée par Taro Okamoto, qui est un peintre ayant étudié à Paris, et par Kiyoteru Hanada, critique littéraire et qui a également eu d'autres activités.

<requenque> uh, en fait, il y avait donc une société euh, secrète initiée par uh, Georges Bataille euh, dont le nom est Acéphale, donc l'homme sans tête, et en fait, euh, Taro Okamoto a participé euh, à des réunions de cette société secrète.

Et à son retour au Japon après-guerre, Okamoto va peindre un tableau intitulé La nuit, qui sera en fait l'origine du nom du groupe de la Société de la Nuit. Donc voici le tableau en question. Eh ,まあ

でこのなん外骨だとかあの、えー、ナイフだとかそれからこう火のように燃える目だとかっていうのがあのアセファルの儀式にちょっと由来するイメージだと思います。え、私はこの頭蓋骨、ナイフ、そのて炎に燃えるアセファルのイメージを表していると思います。

そしてまあ、これが若い時の、えー、岡本太郎と花田清照の写真です。で二人ともあの若い時の、えー、阿部公房にとても強い影響を与えた人物ですね。Et ce sont deux えー、そして安倍公房はあの彼らの影響を受けて、えー、その夜の会とかあるいは若手の世えー正規あのえー、センチュリーというようなあの正規のグループで活躍をしました。 Et donc influencé par eux, Abe a euh, eu donc des, des activités donc li, euh, act, euh, liées à la société de la nuit et aussi Et il a également participé à un groupe qui s'appelle Seki, donc qui veut dire siècle. <mixem> et puis, il a et à l'issue de ses participations, il a commencé à mener lui-même une réflexion sur le surréalisme. Et il a laissé, par exemple, ce genre de, de citation. Donc c'est ici, vous voyez euh, à l'écran un extrait euh, de ce que Abbé a écrit à propos du surréalisme. ,あの, euh, euh euh et donc... Euh, pour lui, voilà, il prend vraiment le, le, la question de la reconnaissance de la réalité, ainsi que le, le côté révolutionnaire du surréalisme. Et après avoir écrit sur le surréalisme, Abbé va écrire une nouvelle au titre un petit peu étrange qui est donc Le tanuki dans la tour de Babel. Et donc vous voyez un, un extrait, donc l'extrait que vous voyez à l'écran est tiré de cette nouvelle. Et donc, il y a dans cette nouvelle un, un tanuki qui est appelé le Toranu tanuki qui apparaît et en fait il va euh, 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 manger l'ombre du personnage et donc c'est la scène où euh, voilà, ce, ce tanuki va manger l'ombre du, du narrateur. でこうやって影を取ってしまうというのはあのシャミッソーの影のない男などにもあるアイディアではあります。そででアデ

Et donc, euh, pour lui, euh, pour Abbé, euh, qui a une réflexion plus, plus logique, il est bizarre que euh, euh, si on perd son ombre, le corps soit toujours là. Donc, il considère que si on perd son ombre, on devient euh, un être invisible. ただ, euh, ,あの Mais si on devient invisible, on ne voit plus. Donc, lui, il va partir du principe que même si on devient invisible, on garde nos globes oculaires. Et donc le personnage de cette nouvelle, en fait, est un homme invisible, mais qui a seulement ses deux yeux qui sont visibles. Et ici, c'est une illustration de la nouvelle dessinée par euh, Hiroshi Katsuragawa, qui est un des camarades de Abe. ,あの Et à gauche, dans les airs, vous voyez flotter euh, les deux yeux. Et cette bête qui est en train d'aboyer euh, à la nuit est probablement ce tanoki, le Toranu tanoki. でこう画面をこう右からひだあの左の方にう動いているように見えるのがこうあのバベルの塔のイメージだと思いますね。Et, uh, droite, bé, uh, そてこののにに、まあ、が他もも何匹かいてこれはあの、uh, 小説の中にも、uh, そしいろいろてこれが後半の方の一節になりますね。そしてこれはシューリアリズムの方法ということを説明しているようなところなんですけれども。

シュリアリズムを,あの,かなり,えー,あの,あの,あの, voilà, c'est um, à peu près tout ce que je, je souhaitais dire à propos de cette nouvelle du Tanuki dans la Tour de Babel. Uh, donc je voulais vous montrer que voilà, il a uh, Abe a, uh, voilà, proposé une espèce de caricature un petit peu du surréalisme et c'est là son originalité. Et, et ici, c'est un, euh, un extrait d'un texte de euh, Kyoteo Hanada dont je vous parlais tout à l'heure, euh, qui est con... que Abe considérait un peu comme son maître. ,あの, c'est ,あの, un texte donc, intitulé Considération sur les pommes. Donc, les pommes sont une référence aux pommes de Cézanne ou de Guillaume Tell. Et donc, l'auteur entame toute une réflexion autour de ce motif de la pomme. そして、まあ、花田キオテルはあの新しいあのリアリズムの方法というアヴァンギャルドの方法についてあの特にあの強く説明してます。でえー、とアヴァンギャルドの方法がその人間の内面の問題として、まあ、これまで考えられてきたけれどもそれを外の世界に政治的な方向に向けましょうという提案なんですね。 En fait, il propose que cette avant-garde, qui jusqu'ici était tournée plutôt vers l'intérieur, nos considérations intérieures, soit tournée plus vers l'extérieur d'un point de vue politique. で戦後の日本においては、あの政治的にっていうのは、やはり、えー、と社会主義、共産主義に向かっていきましょうということを意味したと思いますえ、この context 日本、だからこそ、日本の経済的なことについて、私は、実際、安倍公房も、さほきの桂川博士などと一緒に、この翌年に日本共産党に入党しています。 Et, et d'ailleurs, Abe Kobo ainsi que Katsuragawa Hiroshi vont l'année d'après rejoindre le Parti communiste japonais. Eh ,まあ,あの et ici, uh, ils vont proposer uh, uh, le concept du subréalisme. De, Alors il ne reste pas de traces écrites euh, Kobo à ce sujet. En revanche, il en reste de Katsuragawa. ,まあ donc pour eux, il considérait que le surréalisme, donc littéralement, ça, ça consiste à aller au-dessus, au de passer au-dessus au du surréalisme. サブリアリズムというのはあのサブウェイのように、えー、現実の下を行くリアリズムを目指そうということです。ま、理事のサブリアリズム、このサブウェイ、の souterrain、c'est l'idée de passer アリズム。実際にあの仲間の池田達夫という画家などは、えー、単行譜の世界をあの実際にルポして海外にしたものがあります。 Et dans les faits, en pratique, on a par exemple des tableaux de uh, l'artiste Tatsuo Ikeda qui a fait des peintures de reportages, notamment uh, de mineurs. Katagawa Hiroshi, avec Abe Kobo, est allé dans les zones industrielles du sud de Tokyo et a travaillé avec les travailleurs.

Euh, mais l'idée, c'était de ne pas traiter ça à travers euh, euh, un mode d'expression naturaliste, mais plutôt d'utiliser euh, des méthodes d'avant-garde pour euh, aller euh, creuser euh, ce qu'il y a dans les bas-fonds. ,あの Donc il s'agit ici voilà, d'une des œuvres de Katsuragawa Hiroshi euh, qui s'intitule Les expulsés. でこちらは立ち退く人々というタイトルがついていてあの妊娠した女の人とほとんど裸の男の子が見えます。Donc, voit, uh, image, でこれはどういう絵かというと,です、ねえー、と東京の、えー、西の方にに小河内ダムというダムの,あの工事現場があったんですね。 Et en fait, euh, pour vous expliquer ce que représente ces, ces, cette image, euh, il y avait à l'ouest de Tokyo la construction d'un barrage. Et donc c'était un, un barrage pour passer, faire passer l'eau, l'eau courante. でも彼らの考え方では、えーと、米軍基地に電源を供給するダムになる恐れがあるというふうに考えたんですね。<laughs> それで、そのダムの建設に反対して抵抗しないといけないというふうに考えて実践をしました。ららはいで まあ具体的には、現地にあの何人かの画家たちが行って、反対のためのビラを作って、労働者たちにあの配るようなことをやったんですね。え、なぜか、その時点で、その時点で、もちろん、反対は全くあの成功しなくてあの、ダムは普通に作られました。 しかし、その時の体験をもとにして、このような形の絵画を描いて展覧会に発表することができました。でこれはあの当時、えーと、ルポルタージュ絵画という呼び方であのかなり高く評価されました。 Et donc, euh, c'est euh, un, un tableau qui a, qui a été euh, euh, assez euh, fa, euh, accueilli euh, favorablement en tant qu'œuvre de euh, peinture de reportage. Et Abe euh Kobo lui-même, comme Katsuragawa et les autres, avait une bonne image de la peinture de reportage. Eh Et uh, Abe lui-même a mis en pratique ce, uh, ce reportage. De, eh ,あの, Et voici la liste de ses principales œuvres de reportage. Eh eh Donc la première s'intitule Perturbation à la faveur de la nuit. でこれは1952年の5月30日にえ新宿などで起こったえなんかデモンストレーションなどを問題にしたものです。 あの、et abbé dit que うん,うん, donc les, les, les médias euh, ont décrit euh, ces, ces manifestations de manière très différente les uns des autres euh, de manière contradictoire ですから,あの,で, et écrit que lui-même en fait était sur place à Shinjuku. De ,その,,あの,あの et euh, il dit que lui ce qu'il a vu était complètement différent euh, de ce qui a été décrit par les médias et c'était plutôt euh, donc les, euh, euh, les, les les policiers d'un côté euh, et euh, le, le peuple qui se regardait un peu en chien de faïence euh, en silence ですからなんかあの、既存のマスメディアに対してはあまりあの信用しせずに自分たちのメディアは自分たちで作っていこうというのが安倍候補の主張になっていました。ええ、と、阿部 insiste là sur le fait qu'on ne e u s f i r e c o n f i a e aux m a s de s s e t i l u t m i e u créer n e média。また、えっと、裏切られた戦争犯罪 で,これはあの,えーと,スガモプリズンに,あの,あの, et donc, il y avait dans la prison de Sugamo et donc, A, A, Il y avait de nombreux uh, criminels de guerre uh, condamnés à perpétuité, mais aussi des criminels de guerre de classe B et C. Et même après la fin de l'occupation américaine, euh, ces criminels de guerre sont restés emprisonnés à Sugamo. Et donc uh, Abbé est allé uh, uh, visiter et uh, s'entretenir avec ces prisonniers uh, jetés dans cette, uh, cette situation uh, uh, complètement uh, paradoxale. Uh, et il en a uh, uh, tiré donc ce, uh, cette, ces écrits qui sont les criminels de guerre trahis. また、えっと、次の道というものが、あの、は、えっと、当時流行り始めた、えっと、トラック輸送についてのループになりますね。え、どんく、ラ、ラブロ、シュウバンラウト、う、う、パールで、トランスポー、アンキミョン、きゅん、コマサボックス、デブロペ、あ、セッテポック。で、実際に、これは、あの、六百キロの距離を、トラックと、あの。 運転するトラックに乗り込んで、その状況を体験したループになりますね。いその中で、やはり、日本の道路政策だとか、あるいは鉄道の政策だとかについての矛盾や問題点を指摘しています。 Et euh, il parle dans, dans cet ouvrage, dans, dans, dans ce reportage, euh, des différents problèmes des politiques de développement des routes, des infrastructures, euh, des routes euh, et, euh, et des chemins de fer. Etまた, et, et ensuite, les circonstances de l'incident euh, traitent donc d'un incident par rapport à la construction d'un barrage. Et

蜂の筋をお,しお城のようなあの建物を作って、えー、そこであのそれを壊されるのを防ぎながら、えー、ダム建設に反対をしていたダムサイトであの実際にあのそういう建物を作ってあのその建物を壊すのをあの防ぐようにあの抵抗していた地主です。はい Et un propriétaire avait fait construire un château pour s'opposer à la construction de ce barrage. Donc comme c'était une entreprise assez étrange, Abbé s'est demandé qu'est-ce qu'il y avait en arrière-plan de ce contexte. またあの最後の黄金道路というのも道とともにやはり道路の問題について考えるルポですね。え、ラウトパフェ、ラ・ダニャー・オブ・エンド、オえム・ティット・ケ・ラウト、アン・ロポ・タジー、キ・キ・サタッチ・ユブ・リアリズムの考え方を持っていて、えー、何か、えー、これまでの。あの Et euh, dans toutes ces œuvres, je pense qu'il y avait cette volonté d'Abbé de proposer un reportage, une forme de reportage différente de ce qui se faisait jusqu'ici, donc à travers le prisme du subrealisme. de naturel, Uh, il s'agissait, euh, euh, je pense, pour lui de ne pas décrire la réalité telle qu'elle euh, de manière naturaliste, mais d'employer de, de nouvelles méthodes pour décrire ce qu'il y a derrière cette réalité et, et aussi sous cette réalité.

Et donc le, ce rassemblement de l'Union des jeunes artistes, qui a été initié en 1953, était un rassemblement d'artistes d'avant-garde. Et, donc, ,あの, -an ,あの, et euh, donc lors de ce rassemblement, Abbé euh, va présenter à ses artistes euh, ce terme d'homme témoin qui est issu d'un mouvement artistique fondé notamment par Bernard Buffet. Alors, je ne pense pas que ce mouvement était très connu au Japon à l'époque, donc j'ignore comment euh, Abe en a entendu parler. Eh ,まあ Mais uh, uh, Hiroshi Nakamura, qui était uh, présent, a été très influencé par uh, les propos d'Abe. そして彼も先の桂川弘士や池田達夫と同じように、ルポルタージュ絵画という実践の方向に進んでいきました。え、中村博に桂川や池田、は、その後、中村博ー桂ュ絵画とのでいした。 Eh Et euh, c'est surtout dans les vers 1960, à l'époque des mouvements contre le traité de sécurité euh, nippo américain que Nakamura va particulièrement euh, euh, réaliser euh, de nombreuses peintures. Eh -あの et Abbe a également écrit le scénario de, euh, du film « Le cachot aux murs épais » qui fait partie des films présentés dans le cadre de cette rétrospective. De ,あの euh, ,あの,あの, Et donc, une des sources euh, qui ont permis à Abbé d'écrire ce scénario euh, est euh, euh, donc le, le recueil de témoignages Les criminels de guerre trahis dont je parlais un peu plus tôt. Uh, il s'est également beaucoup servi d'un uh, carnet qui rassemble, uh, voilà, les, les écrits de criminels de guerre B et C et qui s'intitule Le cachot aux murs épais. ,あの eh eh Et on trouve dans, dans ces carnets, par exemple, des témoignages de soldats euh, qui ont dû euh, tuer euh, des, des, des villageois sur ordre de leur supérieur, mais euh, c'est eux euh, qui ont été condamnés euh, pour cette faute. De, euh ,その, euh et euh, donc si vous voyez le, le film de Masaki Kobayashi, vous verrez que voilà, tous ces, ces, ces éléments ont été très bien euh, rassemblés pour euh, en faire euh, une œuvre cinématographique. Et donc le film est terminé en 1953, mais il ne sort que trois ans plus tard. Et à cette époque-là, le problème des criminels de guerre n'est plus vraiment d'actualité. Et donc le film ne va pas faire grand bruit à sa sortie. しかしまあ今見てもかなりあの普遍的に面白い問題を使った映画であるのはご覧いただくときたると思いますね。

Et on sait que Abe avait lu euh, Bon Pied Bonneuil, qui est une des œuvres de Roger Vaillant. ,あの,あの, Et Abe avait également proposé que la pièce de Vaillant, Le colonel, le colonel Forester plaidera coupable, soit jouée au, au Japon. Et donc pour cette raison, Abe a été très bien accueilli par Roger Vaillant. Et uh, de retour au Japon, euh, euh, Abbé, euh, alors, alors, pardon, le théâtre contemporain de Vaillant est traduit euh, au Japon. Et uh, Abe va en rédiger uh, la postface dont vous avez un extrait ici à l'écran.

Uh, donc, ce film est inspiré d'événements qui ont eu lieu en 1960, donc deux ans avant, à Kyushu, uh, en fait, où il y avait eu des grèves dans une, dans, dans des mines de charbon à Miike. まあ,大きな,あの, Miki Et donc, c'était un syndicat important des mines de, de mica qui, qui, donc, ont initié cette grève. ,えー,えー,まあ Et en fait, les patrons ont voulu créer un deuxième syndicat rassemblant des travailleurs, des, des mineurs qui ne faisaient pas grève. Et donc, il y a eu une lutte en fait, entre ce premier syndicat et ce deuxième syndicat. ,あの,あの et on trouve l'originalité d'Abe dans le, le fait de ne pas seulement traiter euh, ce, euh, ce, ce fait-là d'un point de vue réaliste. De uh, dans le film, en fait, euh, c'est euh, un mineur qui est assassiné, qui euh, est le héros de, de l'histoire. En fait, il, il revient sous l'apparence d'un fantôme pour essayer de trouver la raison pour laquelle il a été assassiné. Et donc, une nouvelle méthode de réalisme d'Abbé a été donc pour savoir, pour identifier la réalité, utiliser un moyen euh, qui sort de, de, de la réalité, donc un, un moyen euh, euh, fantastique. またあの今ご覧になった砂のなんかもとても重要でこれは後でお話をします。La aussi,「ファンディスサブ」、おそらく、ただ、あなたは、あまたは、えー、白い朝、アコという映画もあのフランスの監督などとの,あの短編のオムニバス映画の一編ということになっていますね。 Et uh, Aco uh, est un court métrage donc uh, qui fait partie d'un uh, plus grand ensemble uh, de, uh, de courts métrages dont uh, certains ont été, ont été réalisés par des réalisateurs français. 映画作りに,まあ,あの, donc, Abbé a donc participé à la réalisation de films dans un contexte où il y avait des liens avec la France. あの, il y a également donc, le film euh, en bas de liste euh, 240 heures en une journée.

De ,あの,あの et donc ce titre un petit peu étrange, donc 240 heures en une journée, est euh, euh, là en fait pour, 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 pour signifier que la voiture en fait permet de gagner énormément de temps. Et eh donc, euh, on voit l'originalité d'Abbé dans le fait que, voilà, on était dans le pavillon des, des voitures de l'exposition universelle et plutôt que de présenter un, un film seulement avec des voitures, euh, il a plutôt pris le parti euh, de, de parler donc de, du fait que la voiture est un dispositif qui permet de gagner du temps. え、そして、あの、今ご覧になった、えっ、ー、と、砂の女の、えっ、ー、と、これは、えー、パンフレットですね。あの、映画館で、あの、日本では販売をしているパンフレットの表紙になります。このみゆき座というのは、非常に、あの、東京の、あの、日比谷にある大きな劇場です。 Et donc le Miyukiza euh, était un grand. et ,あの euh, euh, le Gekijo. Ah, il y était un, un grand euh, cinéma euh, situé dans le quartier de Hibiya à Tokyo. le ヨーロッパやアメリカから輸入した洋画の,の,あの映画を上映するとても格調高い映画,なの映画館なのであ,あまりこういう独立プロダクションの小さなあの映画をやることは本当,本当はなかった劇場ですね。Donc, しかし、まあ、あの非常に映画のクオリティが高かったのとやはり、えー、と手近か原の、えー、お父さんの、えー、がやっていた草月流といういけばなの,あの結社のお金の力もあって、まあ、これが実現したと思います。 mais ça a été possible de projeter ce film dans ce grand cinéma d'une part parce que le film était d'une grande qualité mais aussi parce que le père de Teshigahara le père de Teshigahara était le fondateur de l'école d'Ikebana Sogetsu et donc qui a permis euh, son, son influence a permis de euh, faire projeter le film dans ce grand cinéma. Et le fait que le film euh, a été présenté au festival de Cannes euh, est aussi euh, un grand, une grande forme de lien entre euh, Abbé et la France. De, à, à ,あの,,あの en et en fait, donc, le réalisateur Teshigahara va demander euh, à Hiroshi Kawazoe, qui était une connaissance, de euh, se charger de la promotion de ce film. De euh euh, de et Kawazoe, lui, va à son tour demander conseil à uh, Suzanne Luling, qui est une, pro euh, sa, une productrice et amie. De, et donc, comment a fait euh, Suzanne Luling pour la promotion du film En fait, elle a décidé euh, d'utiliser euh, les vitrines des boutiques Dior et Yves Saint-Laurent, qui étaient très visibles dans euh, les, les, les rues de Cannes, euh, de faire retirer les vêtements des vitrines et de euh, les remplacer. Par des affiches du film La Femme des Sables. Et euh, il y avait également souvent, dans le cas du Festival de Cannes, des dîners euh, organisés pour les membres du jury. この時にはそのパリからなんとマキシムのシェフや給児長やウェイターを呼び寄せて、さらにそのシャトーを借り上げてあの行ったということです。え、Luling va f ニールでパリ、のシェフ、のメートルドテル、t e l へ、ルマキシムズ、と、え、organiser un dîner dans un château près こういうプロモーションの効果もあって、え Et donc cette promotion porte ses fruits et c'est l'année où les parapluies de Cherbourg euh, est couronné du Grand Prix et la femme des sables euh, va recevoir le prix spécial du jury. De ,あの et on voit donc, sur les photos de, de, de l'époque de la remise des prix, on voit ses personnalités.

Shigahara Hiroshi, le réalisateur. De, euh ,女-女-女-女 et Kishida Kyoko, l'actrice. Euh ,あの, euh ,その, euh ,あの, orga ,あの euh et euh, donc, euh, euh, Kawazoe, Hiroshi et euh, Kajiko, donc, qui ont participé à l'organisation, sont en fait des euh, gérants d'un restaurant. De, et donc, euh, là, on a quelques images d'archives qui nous restent donc de cette cérémonie, euh, de, de ce festival de Cannes. Alors, par contre, pour des questions de droit, on ne peut que les montrer à vous, et donc pour ceux qui nous suivent euh, en ligne, on ne peut pas vous montrer ces images. Merci pour votre compréhension. Oh. A... Ah, on a problème de son. réalisateur japonais Hiroshi se vit attribuer le prix spécial du jury pour La Femme du vous avez uniquement entendu Hiroshi Teshigahara.

Ah, on ici, ce serait bien. Et aussi, le bel ouvrage japonais, La femme de sable, dont voici la bouleversante interprète, Kiyoko Kishida. Enfin, un chef-d'œuvre de burlesque cruel à la fois et fraternel, séduite et abandonnée. Stefania Sandrali, que nous avions vue dans Divorce à l'Italienne, en est le cœur et quelquefois l'esprit. Voilà, donc il est, elle était présentée parmi donc de belles actrices comme ça. まあいずれにしてもこの勅使河原宏と岸田京はこういうふうに非常に注目をされて、えー、登場して、まあ、実際にあの受賞したということになります。Voilà, donc, uh, et quelques mois plus tard euh, la version anglaise de la femme des sables est publiée ce qui est aussi un événement d'importance.

Et euh, ces illustrations ont été réalisées par Mati, euh, l'épouse de euh, Abe Kobo. Et donc euh, après ça, euh, euh, la Femme des sables va être traduite dans différents pays du monde. Tout d'abord aux États-Unis, puis au Royaume-Uni, ensuite une traduction tchèque, danoise, etc. Et à la fin, on a cette traduction française. Donc ici, on voit en couverture une image tirée du film et non une illustration. そしてこちらはフランスの最優秀外国文学賞というのを受賞しました。え、oui,、これは非常にやはり名誉のある賞で日本ではえっ、ー、と、えー、川端康成の,の後に続くものでこれ以来は出ていないということです。え、donc、え、え、え、え、え、え、え、え、とえ、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、というえ、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、 un autre ouvrage japonais qui, qui l'a remporté, euh, donc Pays de neige euh, de Kawabata. Et après ça, il n'y a pas eu euh, d'autres romans japonais qui aient remporté ce prix. Et donc ce succès au festival de Cannes ainsi que ce prix uh, du meilleur livre étranger uh, ont été uh, deux événements très importants comme une sorte de tremplin pour Abe Kobo. Et à partir de là, Abe va être présenté au Japon comme un écrivain de renommée internationale. ,あの,あの Et euh, il, a aussi, euh, il a également, euh, ab a été influencé par la France euh, sous diverses formes. えと日本では山橋正也という人がです、ねえーと「燃え尽きた地図」という小説についてあの言及をしています。えー

de traduction d'œuvres du nouveau roman, euh, tiré donc de Dans le labyrinthe de Rob Grillet et de L'emploi du temps de, de Butor. Donc ce sont des, des citations qui, étaient, qui ont été reprises telles quelles dans le plan d'échiqueté. Uh, ce qui signifie donc qu'Abbé s'intéressait uh, aux traductions françaises contemporaines uh, de l'époque et qu'il les intégrait, en fait, qu'il uh, qu intégrait ses idées dans son œuvre. ,まあ, Rob Il y a même eu un projet de collaboration avec Rob Grillet. En fait, en 78, Abbé va montrer des photos qu'il a prises à Rob grillet ,あの En fait, depuis l'enfance, Abbé euh, aimait prendre des photos avec l'appareil de son père et euh, en les faisant développer dans la chambre noire de son père. ですから,まあ,あの,あの,実際に,え, Rob Griezにも, あの, donc, uh, il a laissé uh, donc de, de nombreuses photos uh, qu'il a prises et uh, dont, il en a montré quelques-unes à Rob Griez. で,あの, Rob Griezが, あの, et Rob Griez en fait a proposé d'illustrer uh, ces photos par des textes et d'en faire un livre. ,あの,まあ Abe a donc envoyé des photographies à Rob Grillet, mais malheureusement, le projet n'a finalement pas vu le jour. ,あの,,あの,あの,あの mais uh, il reste dans les archives donc, un commentaire de Rob Grillet uh, qui saluait le... le, le l'atmosphère mystérieuse qui se dégage des, des photographies d'Abbé. Euh, Ant... uh, Abbé a également euh, eu des liens avec Henri Cartier-Bresson. ,あの,あの,あの Donc à l'époque, Abbé euh, avait euh, monté une, une école de théâtre qui s'appelle Abbé Cobo Studio. で、そこであのブレッソンは、あの数十分にわたって、あのライカで写真を撮っていたということです。えブレッソン、オンディクブレッソン、アベ、ランドサブニュー、アベプリ、ええ、デフォト。で、レペティション、ポンドン、インディーゼンデミニュート、アベクソンレイカ。で、ええ、この、その一ヶ月後ぐらいに、あのアベクの写真が送られてきたということなんですけれども。 Et, toi, et uh, environ uh, un mois plus tard, uh, Bresson va uh, envoyer une photo à Abbé. De ,あの, eh, ,あの, toma ,あの en fait, c'est une photo dans laquelle donc, Abbé se, se dirigeait, il marchait vers euh, Bresson et Bresson lui, dit, lui demande de, de, de s'arrêter un instant et c'est à ce moment-là qu'il prend la photo. De ,あの, et donc à ce moment-là, Abbé est un peu confus et il jette un regard vers son, son interprète. Et c'est cet instant-là qui a été immortalisé par Cartier-Bresson. ,あの,あの, il s'agit de cette photo que vous voyez dans la brochure de la Maison du Japon. ちょうどちょっと横を見ているところに多分この目の先に通訳がいたということなんですね。Voilà, それからまあこれはちょっとあんまりあの良い方の体験ではないかもしれませんが、えー、とルノー・バロー劇団というところで友達をやった、それを見に来たということがあります。でこれはあの年に、えー

p.d.g. des grands magasins euh, cebu euh, euh, il a également aidé abe à monter euh, son, son, Abbé Kobo, son, son studio donc son école euh, de théâtre et euh, il s'est également euh, battu pour que abe puisse obtenir euh, le prix nobel. ,その,,あの et donc, il y a un japonais du nom de Tetsuo Toshimitsu qui résidait à Paris à l'époque et qui a laissé euh, euh, une critique de, de, de cette représentation, de ce, de ce spectacle et donc euh, malheureusement c'est une critique plutôt négative euh, où euh, il se plaint donc de ce décor et de ce, ces costumes japonisants et euh, il se plaint également de la qualité du texte. Et Abe, lui, souhaitait que lorsque ces pièces sont jouées dans des pays étrangers, que la, la mise en scène se, se, se fasse donc euh, avec des costumes et un décor du, du pays en question. Qu ait, il ne s'agit pas de transposer la culture japonaise dans, dans la pièce. Mais plutôt qu'on soit dans le quotidien du pays en question. ,あの Et donc, cette mise en scène n'a probablement pas été non plus du goût d'Abbé. Eh ,あの uh, cependant, les critiques uh, françaises sur place ont été plutôt uh, uh, élogieuses et euh, Tsumi aussi, donc Tutsumi qui avait fait venir Abe, euh, a laissé euh, plutôt une, une bonne critique euh, en saluant le, le jeu des comédiens euh, ainsi euh, que le fait que le, le sens profond du texte était respecté. Cependant, bon, il ne reste aucune trace écrite de commentaires d'Abbé, ce qui me fait penser, ce qui me fait me dire qu'il n'a probablement pas beaucoup aimé la pièce.

Donc, euh, en 1982, Abe s'était entretenu avec Faucon et il a écrit les choses suivantes euh, à propos de ses œuvres. Et uh, lorsque uh, le recueil de photographies Tobokami uh, de Bernard Faucon est sorti au Japon, uh, Abe a rédigé le texte du bandeau. なんかこうマネキン人形などが写された写真についてこのようになんか死者の目で振り返っているものではないかというふうにあの書いているものです。 Et donc, à propos de, de ces photos représentant euh, des, euh, donc des, des mannequins euh, mis en scène avec euh, donc un, euh, un, un incendie à côté et qui ne, ne réagissent pas, euh, il, il, il se demande si euh, euh, ces personnages euh, euh, ne, ne, ne regardent pas déjà euh, la vie avec des yeux de personnes qui sont mortes.

Word process. Word process, Word pro, c'est ,ですね. mm. yeah. ça. et euh, c'est un euh, roman qui a été euh, écrit sur enfin euh, sur ordinateur, sur sur Word. あの、donc c'était complètement nouveau à l'époque euh, de d'écrire euh, sur ordinateur, donc ça avait euh, suscité l'intérêt des médias français, mais aussi des méd euh, pardon ça avait suscité l'intérêt des médias japonais, mais aussi des médias français.

Et en 1985, Abe va également s'entretenir avec Corinne Brett. Corinne Brett a résidé au Japon de 1982 à 1991 en tant que correspondante pour le journal Libération. Et elle est connue également pour avoir écrit des textes pour le Japon. ,あの et Abbé a également rencontré Félix Gattari. ,あの,,あの,,あの et donc uh, Félix Gattari avait entendu parler de Abbé par Corinne Brett et ils se sont rencontrés à Paris au Café de Flore. Et donc il paraît que l'interprète ne serait jamais venu, donc Ave ne parlait ni anglais euh, ni français et Félix Gattari ne parlait pas japonais, donc euh, ils ont communiqué comme ils le pouvaient pendant deux heures. 二人が誰にうなずいて誰に首を押したかが分かるととても嬉しいけど分からないですね。Er、ées, ただ、ガタリではもう一回会ったことがあります。Euh、えっと、その11月にあの来日していて、えーっと、日本の哲学者の浅田晃とか平井玄とかの、えー、案内であのに東京を回ったんですね。 Et donc, Gattari se rend au Japon en novembre 1985, et les philosophes Akira Sada et Gen Hilai vont lui faire visiter ,あの Tokyo. Et Abe les accompagne aussi. そして、こういうコメントですね、ン谷おそらく絶対的貧困を代表する以上に、規制秩序の決定的拒否を代表するんだという阿部公ボの言葉この作家は彼自身がン谷に比べて恥ずかしくないものでありたいと公言するというふうに言ったというふうに、ガタリは記録していま e え、Et donc、uh, les archives con、パミリアン s ューブをコンセーブ、ガタリは、journée Remarque d'abbé Kobo sur le fait que Sanya est peut-être moins représentatif d'une misère absolue que d'un refus sans appel de l'ordre existant. Lui-même déclare qu'il se voudrait digne de Sanya. Sanya, c'est un quartier vraiment représentatif de, de, euh, où se rassemblaient les euh, travailleurs journaliers. でまあ、だからサニアにつ比べて恥ずかしくないというのはだからなんか普通はなかなか言わない言葉だと思いますね。 Mais cela veut sans doute dire qu'il euh, restait encore à cette époque à Abbé cette réflexion liée à la question du subréalisme euh, qui le travaillait toujours à, à cette époque-là. Et eh donc, euh, pour, je me rapproche petit à petit de la, la conclusion, uh, mais je pense qu'il y a trois points euh, essentiels au sujet donc, de ce que représente la France aux yeux de Abe Kobo. えっとまずあの初期には、さっきに最初の方で見たように、シュルレアリスムの影響というのがあったと思いま,すねまた、オムテモアンというのも、絵画の,あの運動ですけれども、やはりそういう目撃者という言葉から、ルポルタージュなどにもつながるような安倍公文にとっての意味があったのではないかと想像はしています。 Et euh, le mouvement de, de l'homme témoin aussi, alors même s'il s'agit d'un mouvement euh, euh, pictural, euh, il a eu une influence sur Abbé Kobo euh, euh, du point de vue de la question du reportage. また、えーと、ヌーボーロマンというのもあの燃え尽きた地図においてあの引用されているだけではなくて、まあ、いろいろな形で阿部にとって影響があったと思います。えていたロ、およそロ0 0 0年の歴史については、あれにとスて影響があったと思います。え、およそ1000エの歴史について、あれにとっ影響があったと思います。 えっとあ,あのコ,コラボレーションでその写真と<笑><笑>あの絵をやろうと言ってた。私アベが強力影響を受けした。それからあの砂の女については、えーと、先ほど言ったように、そのカンヌ映画祭での,あの映画の受賞とそれから翻訳の受賞ということがありました。 et ensuite concernant la femme des sables donc il y a eu comme je vous en parlais tout à l'heure ce prix euh, à Cannes ainsi que le prix euh, attribué à la traduction du roman ce uh, uh, sont vraiment ces uh, deux événements qui ont permis à Abe uh, de, d'obtenir de, une reconnaissance mondiale et qui ont, uh, uh, du coup, été à l'origine d'une possibilité que Abe puisse obtenir le prix Nobel.

De ,まあ,あの,あの,まあ Donc Abe ne parlait ni anglais ni d'autres langues étrangères, mais il est probable, probablement parvenu à communiquer tant bien que mal comme il l'a fait avec Félix Gattari dans l'exemple que je vous citais tout à l'heure. あのロジ・ヴァイアンであるとか、あのベルナル・フォーコンであるとかあの、あるいはフェリックス・ガタリであるとか、そういう人たちの交流というのは、やはり強い大きな意味があったものだと思います。え、私は、そういう人たちの影フ大きな意味があったものだと思らます。え、は、そういう人たちの影響、大きな意味があったものだと思います。え、uh, はい、私は、そういういたのところなんですあれどものと,とはいいろ,いろあの あの, voilà euh, à peu près euh, ce, ce dont je, je voulais parler. J'aimerais consacrer le temps qui nous reste euh, à répondre à vos questions, si vous en avez. Alors, on, va, on va faire passer un micro pour les personnes qui euh, qui, qui ont une question. N'hésitez pas à lever la main. Ah Merci beaucoup pour cette conférence. J'avais une question par rapport à Bernard Buffet. J'avais été très sensible au fait qu'au Japon, Bernard Buffet a un musée qui a été inauguré de son vivant. Et je me disais qu'en fait, son travail de peinture avait une présence importante au Japon pour qu'il ait...

<ed up> <requenagres> <tors de comité en septembre> oui, merci pour votre commentaire. Effectivement, il y a un musée dédié à l'œuvre de, de Buffet à, à, à Mishima, donc dans le département de Shizuoka.

Euh, mais bien sûr, euh, donc, euh, Abbé, quand il a parlé euh, donc, euh, de, euh, du travail euh, des mouvements de, de buffet, ne, à cette époque-là, le, le musée, évidemment, n'était pas encore euh, là. Et je pense que Abbé, euh, a probablement eu connaissance de, de tous ces travaux à travers des magazines dans lesquels était, où on avait des, euh, des reproductions des, des œuvres de ses peintres et donc en ce qui concerne l'homme témoin aussi je pense que uh, a dû lire des articles à ce propos et ensuite en parler à d'autres artistes merci Beaucoup, c'était très intéressant de vous écouter. Je voudrais euh, euh, faire un petit commentaire qui n'est pas une question et ensuite poser une question qui n'est pas directement liée à cet exposé mais qui m'intéresse beaucoup. Le, le petit commentaire, c'est que lorsque j'ai rencontré moi-même Abekobo Kobo, en 1989, je crois, je m'étais demandé ce que j'allais lui offrir. Il faut apporter un omiyage quand on rend visite à un Japonais. Et j'avais beaucoup réfléchi. Et j'aimais beaucoup Chris Marker. Et je lui avais apporté un album de photos de Chris Marker intitulé Le Pays, je crois. Et au moment où j'ai offert ce livre à Bekobo, il l'a ouvert, il a regardé les photos. Il n'avait pas du tout l'air content. Il oui, m'a regardé d'un ai air ai interrogateur. Heureux. Il oui. m'a dit, mais on dirait mes photos. À oui. ah, cette époque-là, je n'avais jamais vu les photos d'Avecobo. Je les ai découvertes dix oui, ans plus tard. Wow, mais effectivement, il y a une parenté. A Et la question que je voudrais vous poser, M. Toba, est, euh, il est écrit dans le programme que vous allez bientôt publier un livre non, sur Abbé Kobo écrire non, avec une gomme. Avec non, et c'est votre non, troisième non, ouvrage non, euh, sur Abbé Kobo Et j'aimerais bien non, vous demander, puisqu'on en a aussi cette occasion précieuse, vous demander non, si non. vous ne voudriez pas dire quelques mots au sujet de votre propre recherche sur Abbé Kobo ou ah, à propos de ces derniers livres. Mais je pense que ça vous intéresserait beaucoup de connaître un peu votre propre travail. あの、あの、なるほど。あの、Merci beaucoup pour ce gentil commentaire. あの、Alors, tout d'abord, concernant votre commentaire sur Chris Marker, moi-même, je n'ai vu que ses films, je n'ai jamais vu ses photos, donc je ne saurais pas euh, rebondir. Mais Abe était effectivement quelqu'un qui euh, euh, dont, dont l'attention se focalisait dans ses photos sur ce qu'on a dans les recoins de la ville. Eh ,あの,,あの Par exemple, donc, euh, il prenait en photo euh, des poubelles, des toilettes publiques ou euh, euh, des, euh, des des, des sans-abris. クリス・マルケルの写真をこれかかから見て共通点があるかどうか私も探してみたいいと思います <laughs> それから私のプロジェクトについては、まず最初に「運動隊アベ公房」という本を出しました。<laughs> えっと、あの、uh, okay, donc um, uh, littéralement donc uh, les, 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 les mouvements uh, politiques uh, versus Abe Kobo. j'ai peut-être un titre officiel. Uh, uh. <laughs> Et jusqu'ici, euh, tous les, les écrits à propos d'Abbe euh, étaient surtout euh, traités d'un point de vue philosophique. Et moi, j'ai voulu un peu me concentrer sur ce que, dans les faits, Abbe euh, avait, euh, quelles quel qu avaient été ses actions.

ですから、あのその間に、あの非常に、そういう政治的な運動の中で、活躍しながら文学を書いていた作家として、安倍公房を捉えたものです。で、二冊目が、編、え、長、っと、で、自分で編集して、いろんな人に書いてもらった本ですけれども。安倍公房メディアの越境者という本です。 <laughs> <laughs> uh, et donc, uh, le deuxième uh, ouvrage uh, est un uh, que, que j'ai rédigé est un ouvrage collectif uh, et uh, donc qui traite donc de Abe en tant que uh, uh, franchisseur de frontières.

でそういうその小説以外の活動に主に注目をしながらあの書いた論文を集めた本ですね。そして、3冊目がこの7月に出版を予定している本です。で、これはあ、阿部公吾の伝記、えー、になります。 Et donc, ce sera euh, une, une, une biographie d'Abe de, 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 um, Kobo. ,あの,えー Et euh, le sous-titre euh, le, le sous de, de, de cette biographie, euh, a, a priori, euh, sera euh, « Écrire avec une gomme ».

De ,その,あの et donc dans ce euh, cet essai je me concentre voilà sur tout ce qui concerne la réécriture qu'est-ce qui a changé entre cette première version et euh, cette nouvelle version de ces différents écrits et donc, j'aimerais qu'à travers ce livre, on puisse avoir une image uh, vraiment globale uh, de qui a été uh, Abe Kobow, puisque dans mon ouvrage précédent, je m'arrêtais à 1961. Merci. Oui, euh, très, très bonne conférence, très intéressante. Cool. Alors, je voulais savoir si euh, cet artiste, photographe a rencontré le, un autre photographe, artiste, Daido Toriyama. Ensuite, euh, je voulais savoir, pour la couverture euh, de, de la femme des sables, il s'inspirait de, euh, de, de, de quelle photo pour, enfin, pour, pour faire les... L'image du, du livre. Alors, je voulais savoir si le livre suivait bien le film ou le film suivait bien le livre. Euh, euh, et quelle étude euh, euh, cet artiste a fait pour. Et à quel âge il a commencé la photographie, les livres, plus les films. Et quelle inspiration il a fait Enfin, comment il s'inspirait Et sur ce, les photographies, est-ce qu'il a photographié

Excusez-moi, monsieur, quand vous dites euh, quelle photo a, utilisé pour la f... a été utilisée pour la femme des sables, vous faites référence à... Non, non, euh, pour la, la, photo la photo du livre oui. la, 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 la photo qui est issue du film, vous voulez dire Je... la photo du film, ça lit, Oui. Ah, ah non.

ただ,あの,彼らのグループの,確か,えっと, mais en revanche, je pense qu'Abe s'était rendu au bureau donc, du uh, groupe Vivo, uh, uh, fondé notamment par Daido Moriyama. で,まあ, Donc, Abbé a dû rencontrer un autre photographe du groupe qui est Thomas Shome. D'ailleurs, il y a des écrits dont, euh, où il parle de lui. それから,砂の女については,かなり,あの, Et concernant la fidélité du film La femme des sables par rapport au roman euh, au original, euh, oui, c'est une adaptation qui est assez fidèle euh, au roman. 原作でもやっぱりあの砂の家の砂の穴の底にあの。 Donc dans le roman aussi, on a donc ces, cette habitation dans les dunes et donc ce personnage qui essaie de se de, de s'enfuir de de, de, de de cet endroit et je suis presque surpris que le réalisateur ait pu faire une adaptation aussi fidèle d'un cadre pareil. Alors, justement, à propos de la fidélité de la femme des sables par rapport à, au roman, je crois qu'il y a quand même beaucoup de différences. En particulier, et j'aurais aimé vous demander ce que vous en pensez. L'insertion de de, des masques que Kabekobo qu ne voulait pas, qu'il réprouvait. Euh, par ailleurs, euh, sur le, la radio. Aussi, il euh, y a une ah, grosse non. différence. Enfin, ah, voilà, il y a pas mal de différences. Je pense que euh, à la fois il y a Ab... le travail d'Abé et le travail de Teshigahara. Et Abé a considéré que euh, ils étaient très amis. Hein. Ils ont discuté ah, énormément. Tôtemon mais tôtemon euh, tôtemon euh, tôtemon que euh, Teshigahara faisait ce qu'il voulait tôtemon et, tôtemon et tôtemon que c'était une. Je me souviens plus exactement du mot, mais c'était.

et euh, il me semble que en fait euh, euh, donc ce, ce, ce tambour euh, c'est dans le département de Ishikawa dans le nord du Japon qu'il y a euh, ce qu'on appelle Godinjo Daiko donc c'est un, une forme de, de musique de tambour traditionnelle et euh, donc c'est de là que, que vient euh, le tambour du film. a Daiko de eh, donc Paris donc euh, Teshigahara a sûrement été séduit par cette forme d'art et donc il a voulu l'intégrer dans son film. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, quand je parlais des, euh, des adaptations au théâtre, Abe lui voulait que ses œuvres soient universelles et qu'elles soient transposées dans les, les univers de chaque pays et donc peut-être que la présence de ces tambours n'ont pas plu en fait à Abbé. で特にあのえとこの一緒に撮った映画の後半の方に燃え尽きた地図については阿部があまり気に入らなかったというコメントも残しています。そそパののアダプシションテテガ・ララはででかすすい、うら本当にあの 忠実で好きだったとっいうのはちょっと、ま、あの間違いかもしれなくて、やっぱりあのかなりあの違いもあるし、阿部公房の気に入らないところも他の映画についてもあったかなとは思います。はい、oui,、alors peut-être que j'ai un petit peu exagéré tout à l'heure en parlant de, de, fi de fidélité et qu'il y a eu、euh, voilà, des différences qui n'ont pas forcément plu à 阿部 <Merci. S 3> <Merci. S 2>。ありがとうございます。 えっと、あの安倍自身あの、写真家であったり、棋局家であったんですけど、うん、あの彼自身あの、映画を作ろうという試みはありましたかはいあの実は、2、えー、本映画を作っていて、1つは今回上映される、小僧は死んだという映画です。 Euh, oui euh, il a euh, en, en fait il a réalisé euh, deux films dont l'un euh, va être projeté dans le, le, le euh, dans le cadre de, de ce cycle et le titre donc c'est le pardon j'ai le le, le le petit éléphant est mort oui. でこの小僧は死んだというのは、えっと安倍公房スタジオであで、やった演劇を舞台にあのああ、やった舞台を映画化したでのです、ね。え en fait,、もう一つ、えっと、トキノガケという映画もあったんですね。トキノガケ。 Ah, et l'autre film euh, qu'il a réalisé euh, s'appelle euh, Tokino Gake, qui est donc euh, le そうです, euh, donc qui est euh, la, la falaise du temps, littéralement. ,あの ah et là aussi, il s'agit d'une adaptation cinématographique d'une pièce de théâtre. あの c'est donc l'histoire, on y voit décrit un boxeur. Le film commence avec son entraînement et se termine sur le ring où il va perdre son combat. ,あの,あの,あの,あの donc, malheureusement, ce film-là euh, n'est pas projeté euh, dans, dans le cadre de ce cycle, mais donc euh, Abe Kobo a bien réalisé euh, deux films. Ah, une question en ligne. alors je vais d'abord la lire euh, merci beaucoup pour cette présentation concernant l'influence des arts picturaux et du cinéma sur Abe kobo en plus du choix du sujet avec par exemple les livres reportages pensez-vous qu'ils ont eu une influence sur son style d'écriture mmh. mmh. あのそういった、あのいろんな影響を、を、うん、受けて、あのそのルポルタージュとかに、あの。影響があったんですが、その作風、アメコボの作風にも、うん、あの影響を与えたと思いますか。えっと。<の>美術や映画がっていうことですかね。ああ、うん。そうですね、その。絵画と。映画。ああ。バカのじししし。

さっきのその。 Teshigaharaが... Tushikaharaが... De la même manière qu'on parlait tout à l'heure de la fidélité des adaptations par Teshigahara, étant donné que ce sont deux médias différents, le roman et le, ciné... le cinéma, c'est difficile de, 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 de parler voilà de cette question de, de, de l'influence sur le style d'écriture. ,あの Mais je pense qu'il y a eu euh, une influence sur euh, tout, euh, toutes les expériences euh, que a, a, a entreprises dans son style d'écriture au niveau des de, de méthodes d'écriture. 特にまあさっき言及したサブリアリズムっていうのはもともと

そしてまた安倍公はその自分が書いた小説をド、えー、あのラジオドラマやテレビドラマや映画にするあるいは演劇にするということも何回もやってるんですね。ええ、で、さっきあの言及した時の崖という映画は元々はラジオドラマとして作ったものを舞台にして映画にして小説にもしたというものですね。 Et par exemple, la, la falaise euh, du temps euh, dont je parlais tout à l'heure était d'abord euh, euh, une, euh, une, une pièce radiophonique qui a ensuite été euh, transposée euh, euh, en, en pièce de théâtre, puis euh, euh, sous forme de, de film, puis sous forme de roman. まあ、あの、あの、あの、Et Donc uh, Abe a donc un peu circulé entre diverses uh, formes de médias pour approfondir sa réflexion sur, sur chaque œuvre. Euh, euh, Peut-être on va vous donner un micro, monsieur. Je reviens sur cette histoire. Euh, Marguerite Duras, qui a été scénariste, a fini par réaliser ses films. Et elle était écrivain. Donc on peut penser, ça m'étonne beaucoup qu'il ne soit pas passé directement pour adapter lui-même ses romans. Marguerite Duras l'a fait. On a l'exemple de Marguerite Duras. Elle s'est mise à écrire, elle a écrit des romans. Elle a fait le scénario, tout le monde le sait, d'Hiroshima mon amour. Elle n'a mm -hmm. pas réalisé Hiroshima mon amour. Mais après, elle a réalisé des films. Mm -hmm. Alors je me pose la question, y a-t-il vraiment songé de son vivant ou des difficultés matérielles, ne trouvant pas de producteur euh, mm -hmm. Voilà mais, alors, une question que je me pose. 作ったんですけど彼が言いたいのは安倍公務は本当は自分でこの映画化をしたかったんじゃないか<ー>していろいろプロダクションとかお金が集まらなくて結局、ガハラが作ったんじゃないか、うん、そういうことはないのかなみたいな、うん、そうですねあの、もちろん自分で映画を撮りたいという気持ちはあった、だから、まあ、自分で日本の映画を作ったということはあると思います。 Oui, je pense effectivement qu'il y avait une volonté de la part d'Abe de réaliser ses propres films et c'est la raison pour laquelle il a réalisé les deux films dont je vous parlais à l'instant. ,あの,あの,まあ Mais euh, en ce qui concerne, par exemple, le, le Tracknar, euh, on sait qu'il s'agissait d'une collaboration vraiment très étroite avec Teshikahara. Par exemple, ils avaient commencé par voyager ensemble pour décider euh, des, des lieux de tournage. De ,あの et euh, Abbe et Teshigahara s'étaient rencontrés dix ans avant qu'il commence cette collaboration cinématographique, à l'époque où Teshigahara était encore peintre. ,まあ,あの, et je pense qu'il avait une véritable relation de confiance entre les deux hommes, et c'est pour ça qu'il a confié la réalisation des euh, de, des films euh, à Teshigahara. 本当に全てが気に入ったかどうかは分かりませんがやはりかなりお互いに気に入るところがあったからこそこれだけやったし安倍公吾もあの自分で作る映画にはあの入れ Uh, donc, on ignore si Abe a tout apprécié des adaptations de, de, de Teshigahara, adaptation mais en tout cas, uh, um, il, il avait probablement conscience que Teshigahara était capable de d'adapter quelque chose, enfin, de de réaliser des choses que Abe lui-même n'aurait pas pu réaliser au cinéma. Merci. Thank <laughs>